Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Une de perdue, un film radiophonique de Fred Cassac. Avec Bérangère Dautin, Christian Allers, Maria Tamar, Micheline Luciani et Martine Sarcet. Bonsoir. Eh bien, quoi donc? Tu veux pas que je t'embrasse? Qu'est-ce que tu as? Je suis en retard. Oh, il est à peine 7h30. D'habitude, tu es là à 7h15. Ah, écoute, Martine, ne conduis pas un train, mais une voiture. Tu as entendu parler des embouteillages. Il y a des embouteillages tous les soirs. Ils t'ont jamais empêché d'être ici à 7h15. Ce soir, c'était pire que d'habitude, complètement bouché depuis la rue Lafayette. Quoi de neuf? Hein? Au bureau? Rien. Je passe les trois quarts de mon temps à faire de la paperasserie et les deux tiers à répondre au téléphone. Épuisant. En effet, tu as l'air fatiguée. Je suis fatiguée, oui. Et Irène? Pas trop fatiguée, elle aussi? Irène? Quelle Irène? Ah, tu en connais plusieurs? Ah, ma secrétaire? Elle s'appelle bien Irène, non? C'est toi qui me l'as dit. Ah, tu me crois, si tu veux, c'est à peine si je me souvenais de son prénom. Et quand tu as besoin d'elle, tu la siffles? Je l'appelle par son nom, Neuville. Mademoiselle Neuville, voulez-vous me taper ceci? Mademoiselle Neuville, voulez-vous me classer ça? Voilà. Elle tape bien? Elle classe bien? T'es content? Oh, elle n'est là que depuis un mois, mais jusqu'à présent, oui. Non, j'avoue ne pas avoir encore très bien compris pourquoi tu as éprouvé le besoin de remplacer ton ancienne secrétaire. Pour la même raison qui m'a fait remplacer mon ancienne machine à écrire. Elle tombait toujours en panne. Évidemment, Mademoiselle Neuville est plus jeune. Oui, d'un bon demi-siècle. Et plus jolie. Oh, bah, elle n'a pas de mal. Mais je t'en supplie, Martine, pas ce soir. Hein? Pas maintenant. Là, depuis un mois, je la sentais venir, mais pas maintenant. Et qu'est-ce que tu sentais venir? Eh bien, la scène à propos de Mademoiselle Neuville. Je ne te fais pas de scène à propos de Mademoiselle Neuville. Oh, oh, tu n'accuses pas, non, mais tu insinues. Mais j'insinue, moi. Oh, tu n'arrêtes pas, c'est énervant. Et te savoir toute la journée avec une fille jeune et jolie, tu ne crois pas que c'est énervant? Mais tu t'énerves pour rien. Tu es victime d'une idée reçue. Vraiment? Oui, dans toutes les pièces de boulevard, le patron couche avec sa secrétaire. Et dans tous les dessins humoristiques, la secrétaire s'assoit sur les genoux du patron. C'est un poncif millénaire. Mais dans la réalité... Pour que ça devienne un poncif, il a fallu que ça se pratique souvent dans la réalité. Dans la réalité, chacun a déjà sa vie privée. Et Mademoiselle Neuville a sa vie privée comme j'ai la mienne. Elle voilà. Est fiancée? Elle a quelqu'un? Bon, j'en sais rien, je suppose. Comme toutes les filles de son âge, elle doit avoir envie de se marier. Et moi, je le suis déjà. Alors, je ne vois pas en quoi je pourrais l'intéresser. Oui. On reparlera de tout ça une autre fois. Tu veux bien, ce soir, je suis pressé. À peine le temps de prendre une douche et de me changer. Comment? Tu ne dînes pas là? Oh, non, non, ne fais pas comme si tu l'ignorais. Il y a 8 jours que je t'ai prévenu. Aucun souvenir. Et tu dînes avec qui? Oh, pas avec Mademoiselle Neuville, avec un client important. Je l'assure déjà pour 3 voitures. Je vais proposer une assurance vie, il m'a invité à dîner pour en discuter. Vous ne pouvez pas en discuter dans la journée? Ah bah, c'est un homme d'affaires, toujours entre 2 trains. Eh ben, c'est pas la peine d'avoir 3 voitures. Et où allez-vous dîner? Bah, au restaurant. Lequel? Oh, j'en sais rien, c'est lui qui m'invite, c'est lui qui choisira. Vous vous êtes bien donné rendez-vous quelque part? Oui, je dois passer le prendre à son bureau, je n'ai que le temps. À cette heure-ci, avec les embouteillages... Comment s'appelle-t-il? Mon client? Aubertin. Il n'est pas d'une galanterie raffinée. Pourquoi? Il aurait pu m'inviter aussi. On ne sort déjà pas si souvent. Mais Martine, c'est un dîner d'affaires. Nous n'allons parler que de participation bénéficiaire, de contrats revalorisables. Tu mourrais d'ennui. Oui, tandis qu'ici, toute seule devant mon œuf à la coque, je vais mourir de rire. Mais ça sera pas long, tu verras. Il n'est pas marié? Aubertin? Aussi, pourquoi? Et il n'emmène pas sa femme non plus. Mais non, je t'assure que ce sera un des dîners les plus dépourvus de femmes depuis la Sainte-Seine. Le dîner, admettons, mais après? Et après? Vous n'irez nulle part? Où veux-tu qu'on aille? Pour 2 maris sans leur femme, à Paris, après un bon dîner, ce ne sont pas les endroits qui manquent. Qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, mais je ne vais rien chercher, moi je reste ici, c'est toi qui t'en vas à Dieu sait où et chercher Dieu sait quoi. Je vais chercher à décrocher une affaire. Ah, je ne sors pas pour mon plaisir, je sors pour gagner ma vie et la tienne. Oh, pour ce qu'elle est belle, la vie que tu me gagnes. Mais que lui reproches-tu, hein?
Que te manque-t-il ? Mais toi, tu n'es jamais là et quand tu es là, tu pars. Comment jamais là ? Ouais, tu passes tes journées avec ta secrétaire. Je passe mes journées à mon bureau. Mais ta secrétaire n'est pas à ton bureau ? Bah évidemment, mais... Eh ben, je ne te le fais pas dire. Et voilà maintenant que tu passes tes nuits dehors. Oh, mes nuits, enfin Martine, c'est le premier soir que je sors sans toi depuis notre mariage. Le premier, enfin, c'est vrai oui ou non ? Oh, je ne sais pas, moi j'ai pas compté. Ah, oui, c'est ça. Oh non, n'essaie pas de m'embrouiller dans les chiffres. Moi, je m'en tiens aux faits. Et le fait est que ce soir, bah, tu me laisses seule. Je te répète que je ne rentrerai pas tard. À quelle heure ? 11h, minuit. Bon, alors 11h ou minuit ? Mais comment veux-tu que je sache exactement d'avance ? Bon, alors ce sera minuit, peut-être minuit un quart. Alors, en tout cas, plus tôt je partirai, plus tôt je reviendrai. Donc, si tu veux bien, je vais prendre ma douche. Hein ? C'est pour séduire au burtin, cette débauche de douche ? C'est pour me détendre. Crois-moi, j'en ai besoin. Bon, allez, va, douche-toi, frictionne-toi, lotionne-toi, déodorise-toi, pomponne-toi, bichonne-toi, fais-toi beau. Oh, et n'oublie surtout pas de lui acheter des fleurs. Oh, Martine, vraiment ! Écoute, Jacques, peux-tu me jurer que tu ne vas pas dîner avec Irène ? Je te le jure ! Sur ma tête ? Non, sur la tête de ta mère ? Sur toutes les têtes que tu voudras. Martine, je ne vais pas dîner avec Irène. Oh ! Ah, Nathalie. Nathalie, ton dîner était délectable. Je n'ai jamais su les faire autrement. Les déjeuners non plus. Tu ne t'en souvenais pas ? Je me souvenais que tu avais du talent, pas du génie. Oh, l'oubli mortel. Tu as oublié les petits plats que je préparais dans la cuisine de mes parents quand nous révisions ensemble nos cours de droit ? Oh, j'en respire le fumet comme si c'était hier. C'était il y a 10 ans. 10 ans ? Déjà ? Oh, non, tu es sûre ? 10 ans et 4 mois. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu m'as annoncé tes fiançailles et ton prochain mariage. Le temps passe à une vitesse scandaleuse. Le scandale, c'est que depuis 10 ans, tu ne m'as plus donné signe de vie. Pas un coup de téléphone, pas un mot, rien. Comme si du jour de tes fiançailles, je n'avais plus existé. Moi, une vieille camarade de faculté, de la première année à la licence. Je sais ce que tu vas dire, je suis un lâcheur. Hein? Et je pèse mon mot. Alors, si nous n'étions pas tombés l'un sur l'autre par hasard il y a 8 jours au détour d'une rue, jamais je ne t'aurais revu. Oh, t'as pas honte ? Oh, si. Je suis un lâcheur honteux. Voilà. Mais j'ai des circonstances atténuantes. Pas une ! Oh, si. Tu ne m'aurais pas donné de tes nouvelles pendant 6 mois, 1 an, le temps d'une lune de miel, à la rigueur, j'aurais compris. 10 ans. Non, bien sûr, tu peux pas comprendre, tu n'es pas mariée, toi. Oh, le lâcheur lâche, qui va mettre son lâchage sur le dos de sa femme. Oh. Dès notre retour de voyage de noces, j'aurais voulu t'inviter à la maison, enfin te présenter Martine, mais j'ai vite compris qu'il valait mieux pas. Et pourquoi ? Elle voyait d'un très mauvais œil mes anciennes relations féminines. Nos relations étaient bien innocentes. Eh oui. La seule licence de nos rapports était une licence de droit. Ah, oui, mais j'ai eu beau le lui jurer, il n'y a rien à faire. Tu m'avais vu, tu m'avais connu et cela suffisait. Tu étais sur la liste de proscription et tu y es toujours. Elle est jalouse ? Maladivement. Elle ne sait pas que nous dînons ensemble ? Oh, le pire, avec une femme jalouse, c'est que même innocent, on doit se conduire en coupable. Je lui ai raconté que je dînais avec un client. Elle t'a cru ? Elle ne me croit jamais. Peut-être parce que tu lui as déjà donné des motifs de ne pas te croire. Aucun ! Je te jure, aucun ! Je ne l'ai pas trompée une seule fois, même en rêve. Et elle m'imagine couvert de maîtresse. Les femmes de mes amis, les sœurs de mes confrères, l'assistante de mon dentiste, en vacances les clientes de l'hôtel, et au bureau, naturellement, ma secrétaire. Ah, c'est flatteur. C'est l'enfer. Crois-moi, Nathalie, c'est l'enfer. 10 ans de soupçons permanents, d'insinuations incessantes, d'accusations perpétuelles, d'interrogatoires hebdomadaires. À ce point-là ? Chaque soir, en rentrant d'une journée de travail épuisante, au lieu de retrouver la douceur d'un foyer, je comparais devant un juge d'instruction. Oh, mon pauvre Jacques. Moi qui suis l'archétype de la fidélité. Mais tu n'es pas heureux ? Voilà mon mariage. 10 ans d'erreurs judiciaires. Oh, je ne comprends pas. Être accusé injustement, j'appelle ça une erreur judiciaire. Non, ce que je ne comprends pas, ce sont les femmes jalouses. Quoi, tu ne l'as jamais été, toi ? La jalousie ? C'est un sentiment que je ne connais pas. Ah
Peut-être parce que tu n'as jamais eu l'occasion de le connaître. Il y a 10 ans, quand tu m'as annoncé que tu allais te marier, ai-je manifesté la moindre jalousie? Il n'y avait aucune raison, tu n'étais pas amoureuse de moi. Qu'est-ce que tu en sais? Pardon? J'aurais eu des raisons d'être très, très, très jalouse, Jacques. Nathalie. Eh oui. Et je ne m'en suis jamais doutée. Ça, alors... je le cachais bien. Bon, avoue que tu en aurais fait une tête. On se tutoyait depuis si longtemps, on se tapait si souvent sur l'épaule en s'implant « mon petit vieux ». Que c'est bête. Mon Dieu, mais que c'est bête. Tu aurais eu l'impression d'être aimée par une camarade de régiment. Mais tu ne peux pas savoir, Nathalie, comme c'est bête. Pourquoi? Parce que... Moi aussi, Nathalie. Toi aussi? Oui. Oh, tu veux dire que toi aussi? Oui. Oh, je ne m'en suis jamais aperçue. Ah, je me donnais assez de mal pour ça. Mais pourquoi? Ah, je croyais que pour toi, j'étais un copain. Bon, enfin, pas un homme. Oh. Que si mon petit vieux se mettait à te parler d'amour, hein, tu lui aurais éclaté de rire au nez. Oh, que c'est bête. Mon Dieu, que c'est bête. Oui. Oui, Nathalie, nous avons été bêtes. Mais toi, surtout. Hmm? Tu aurais quand même pu essayer. Oh, j'aurais essayé si tu m'avais encouragé. Ah, je t'aurais encouragé si tu m'avais fait sentir que tu avais envie d'essayer. Mais enfin, que veux-tu, ce qui est fait, est fait. Ah, pour toi, oui. Avec une autre. Pour moi, ce qui ne s'est pas fait, ne s'est pas fait. Hmm. Avec personne. Nathalie, non, tu ne veux pas dire que c'est à cause de moi? Tu n'es pas... Crois-tu que ce sont les occasions de me marier qui m'ont manqué? J'ai bien failli 2 ou 3 fois, et puis... non, décidément, le cœur n'y était pas. Oh. Il était resté ailleurs, avec le... mon petit vieux. Nathalie. On aurait dit que j'attendais... Que tu attendais? Que le hasard nous réunisse de nouveau. Et il l'a fait. Et trop tard. Pourquoi trop tard? Le hasard ne fait rien sans raison. Je t'aime toujours, Jacques. Et toi aussi, n'est-ce pas? Ose dire que tu ne m'aimes pas. Ose-le. Tu vois bien. Je suis mariée, Nathalie. Oh, parce que tu croyais que je ne t'aimais pas. C'est un malentendu, ça ne compte pas. Va expliquer ça à ma femme. Ta femme. L'aurais-tu épousée si tu avais su qu'elle te rendrait la vie infernale avec sa jalousie maladive? Non, peut-être pas, mais... Sûrement pas. Elle te détruit, cette femme-là. Elle t'éteint. Oh. Tu as besoin d'une présence confiante, rassurante, qui t'apporte la tendresse et la paix, qui t'aide à t'épanouir. Oh. Tu as besoin de moi, Jacques. Mais c'est elle que j'ai épousée et je suis fidèle. C'est ce qui me plaît tant chez toi. J'ai horreur des cavaleurs. Viens, Jacques, viens plus près de moi. Tu ne veux pas? Si. Mais je n'y peux rien, tu sais, on ne se refait pas. J'ai la fidélité dans le sang. Avec moi, tu restes fidèle. Fidèle à ton premier amour. Viens plus près de moi. Encore plus près. Jacques, oh mon Jacques. Oh Nathalie. Oh mon chéri. Martine! Mais où es-tu? Où veux-tu que je sois? Dans la cuisine, comme d'habitude. Oh. J'y passe ma vie. La cuisine, c'est ma salle de séjour. Ah, justement. Je voulais te dire, tu n'auras guère de cuisine à faire pour moi la semaine prochaine. Ah? Oui. Et peut-on savoir où tu seras la semaine prochaine? Mardi, réunion d'information suivie d'un cocktail. Mercredi, assemblée générale du syndicat suivie du dîner traditionnel. Jeudi et vendredi, 2 journées d'études suivies de dîner-débat. En effet, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Eh non. Tu vas avoir des journées chargées. Eh oui. Sans parler des nuits. Des nuits?
suivi des petits déjeuners et bas. Ouais, ça, je me doutais que tu le prendrais comme ça. Non, je plaisantais. Ah bon? Je ne vais pas te faire de scène alors que tu es déjà tellement surchargé de travail. Ah, ça, je suis servi. Et ça fait 15 jours que ça dure. La semaine dernière, un symposium et un congrès. La semaine d'avant, 2 colloques et 3 conférences de formation permanente. Que veux-tu? Oui, il y a des périodes comme ça. Oui, il faut donner un bon coup de collier. Oui, un bon coup de collier. Oui. Fauche-toi. Mais quoi? Hypocrite. Martine, ben voyons. Imposteur. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais il me prend, que tu me prends pour une idiote! Allons, bon. Écoute, ce n'est pas parce que je suis la femme la plus trompée du système solaire qu'ils vont me prendre pour une idiote. Mais je ne te prends pas pour une idiote! Ah, tu ne nies plus. Je ne nie plus quoi? Tu nies que tu me prends pour une idiote, mais tu ne nies plus que tu me trompes. S'il fallait que je nie chaque fois que tu m'accuses de te tromper, tu m'en accuses depuis le 2e jour de notre mariage. Mais parce que tu me trompes depuis le 2e jour de notre mariage. Mais tu sais bien que ça n'est pas vrai. Oh, mais ton 3e. Mais tu dis n'importe quoi. Mais bien sûr, je fabule, j'élucubre, je divague, je suis atteinte de la manie de la persécution, de la jalousie morbide et de délire hallucinatoire. Tu es seulement victime de ton imagination débridée. Là. Alors, depuis 10 ans, c'est tout ce que tu trouves à répondre. Alors cette fois-ci, tu devrais trouver autre chose. Tes accusations étant toujours les mêmes, je ne vois pas pourquoi je te répondrai aujourd'hui autre chose que les autres fois. Mais parce que les autres fois, je sentais que tu me trompais. Je le sentais dans mes os, mais je le sentais seulement. Aujourd'hui, je sais que tu me trompes. Bon. Et je sais avec qui. Vraiment? Oh, bah, j'aimerais connaître l'heureux élu. Alors, tu persistes à jouer les innocents. Tout suspect doit être présumé innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Je te répète que je sais que tu es coupable. Oh, mais ça n'est qu'une intime conviction. C'est insuffisant pour m'inculper. On devrait te dessaisir du dossier. Pas si j'y verse ça à ton dossier. Ça ne te paraît pas suffisant pour étayer une intime conviction? Qu'est-ce que c'est? Oh, approche! Ça ne mord pas. Du moins, pas encore. À première vue, on dirait un petit mouchoir. Et à vue de nez, on dirait même un petit mouchoir parfumé. Tiens, sens. Oui, mais oui, en effet. Ah, bah, tu me rassures. Je craignais d'être victime de mon imagination débridée. Et tu reconnais de quel parfum il s'agit? Non, bah, les parfums, moi, tu sais... Non, mais tu peux quand même reconnaître qu'il ne s'agit pas du mien. Oui, oui. Et ce n'est pas sous le coup d'une hallucination que je vois les traces de rouge, hein? Là, là et là. Tu les vois comme moi. Non, mais tu les vois bien, hein? Oui, et oui. Tu vois aussi qu'il ne s'agit pas non plus de mon rouge à lèvres, n'est-ce pas? Bon. Je n'affabule pas sous l'effet du délire. Et puisque je me nomme Martine Gauthier, née Baudouin, ce N... Hein, ici, au coin, ne peut pas être non plus mon monogramme. Car je ne divague pas, c'est bien un N. Bon, alors Jacques, peux-tu m'expliquer comment ce mouchoir parfumé au parfum d'une autre, maculé de rouge à lèvres d'une autre, brodé au monogramme d'une autre, se trouvait dans la poche de ta veste? Non, évidemment, non, non, tu peux pas. Hein? Tu ne dois pas pouvoir te l'expliquer toi-même. Ah, ces femmes qui laissent tout traîner. Le manque d'ordre est un défaut désastreux chez une maîtresse. Alors, à plus forte raison, chez une maîtresse secrétaire. Secrétaire? Quoi, secrétaire? Ma secrétaire s'appelle Irène. Alors, aucun rapport avec ce mouchoir. Ah, Irène Neuville. Mademoiselle Neuville, voulez-vous me taper? Si, mademoiselle Neuville, voulez-vous me glacer? Ça? Si elle classe tes chemises aussi bien que tes mouchoirs, il doit être joli ton bureau. Mais Martine, je te jure que ma secrétaire... Tais-toi, surtout tais-toi. Tu ne me parles que pour me mentir. Mais moi, je peux te jurer une chose. Une chose vraie. Elle va entendre parler de moi, mademoiselle Neuville. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Eh bien, quoi donc, Nathalie? Tu ne veux pas m'embrasser? Mais qu'est-ce que tu as? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, il est à peine 8h20. D'habitude, tu es là à 8h09. Ah, c'est à cause de Martine. Ah, moi, je m'en serais doutée. Elle ne voulait pas me laisser partir. Sous quel prétexte? Elle ne voulait pas croire que j'allais à un dîner d'anciens élèves. Bon, c'est pourtant très vraisemblable.
Beaucoup d'hommes vont à des dîners d'anciens élèves. Oh, elle avait déjà tendance à ne pas croire à un mot de ce que je lui disais. Mais depuis qu'elle a trouvé ton mouchoir dans ma poche, elle ne me croit plus, même quand je me tais. Encore ce mouchoir ? Quel drame pour un mouchoir ! Ça ne voulait rien dire, ce mouchoir. Il y avait des tas d'explications naturelles sans tout de suite soupçonner le pire. Une femme aurait très bien pu l'avoir glissé dans ta poche par mégarde en croyant le ranger dans son sac. Oui. Ou alors tu aurais très bien pu l'avoir ramassé machinalement sur le trottoir, croyant que c'était le tien. Oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et alors ? Elle ne m'a pas cru. Oh non, être méfiante à ce point-là, ça relève de la pathologie. Et ce soir, elle ne m'a laissé partir qu'à la condition que je sois rentrée pour 10 heures. Pour 10 heures ? Non, elle est complètement folle. Elle a déjà vu un dîner d'anciens élèves se terminer avant 10 heures. Tu oublies qu'elle ne croit pas à un dîner d'anciens élèves. Ça la regarde. Toi, tu es censé y être. Tu vas rester avec moi jusqu'à minuit. Oh, écoute, non, c'est impossible. Comment impossible ? Pourquoi impossible ? Depuis le coup du mouchoir, nous avons déjà dû espacer nos rendez-vous. Tu t'es mis ce soir à arriver en retard. Et voilà que maintenant, tu veux partir plus tôt ? Mais je ne veux pas, moi, c'est elle. Tu n'as pas à lui demander son avis. Mais c'est ma femme, voyons, je suis tenu à un certain ménagement. Ménagement ? Vraiment ? Et moi alors ? Moi qui accepte de rester dans l'ombre ? Moi qui me sacrifie à ton bonheur dans une liaison clandestine ? Moi qui dois me contenter de ton amour à la sauvette, je n'y ai pas droit peut-être au ménagement. Mais calme-toi, voyons. Tu sais bien que je sais bien ce que je commence à croire. Je commence à croire que tu me négliges pour ta femme. Mais non, voyons. Oh, quelle idée. Pour une femme qui t'empoisonne la vie avec sa jalousie, ses larmes, ses criailleries. Tu me négliges, moi, qui ne sais pas ce que c'est que d'être jalouse, qui n'élève jamais la voix, qui ne te fait jamais une scène. C'est ignoble, c'est abject. Mais je ne te néglige pas, Nathalie, voyons. Pour te réfugier dans mes bras quand ta femme t'énerve et la rejoindre à toute allure une fois que tu t'es détendue avec moi, non. Ce serait trop facile. Et je ne me laisserai pas faire, tu entends ? Je t'assure, Nathalie. Pas faire que... quoi, tout de même ? Celle qui t'apporte la douceur et la tendresse, c'est moi, oui ou non ? Mais oui, oui. Celle qui t'apporte le calme, la paix, c'est moi, oui ou non ? Mais oui. Bon, alors tu feras bien de ne pas l'oublier, Jacques. Sinon, je te jure, tu t'en repentiras. Entrez. Bonjour, monsieur. Voici le courrier. Bonjour, mademoiselle Neville. Posez-le là, merci. Rien de spécial depuis hier ? Non, monsieur. Du moins en ce qui concerne le bureau. Vous voulez vous dire qu'il s'est passé quelque chose en dehors du bureau ? Votre femme est venue chez moi et m'a jeté un mouchoir à la figure. Elle a fait ça. Non. Mademoiselle Neville, je vous demande de bien vouloir excuser ma femme. Voyez-vous, elle s'est mise dans la tête qu'il s'était noué entre vous et moi des relations d'un genre, en quelque sorte, intime, enfin dépassant, pour ainsi dire, le cadre purement professionnel. C'est en effet ce que j'ai cru comprendre quand elle m'a ordonné de ne plus coucher avec vous. Elle vous a ordonné. Oh, je suis confus. Oh, il s'agit d'un malentendu ridicule. Bien sûr, monsieur. Si c'était vrai, je le saurais. Mademoiselle Neville, croyez en mon expérience, n'épousez jamais une femme jalouse. Je n'en ai pas l'intention, monsieur. Même si vous avez la vocation de la fidélité, comme c'est mon cas, une femme jalouse vous pousse à la tromper. On finit par se dire que quitte à être soupçonné, autant que ce soit pour quelque chose, comprenez-vous, que quitte à avoir les inconvénients de l'infidélité, autant en avoir les avantages. Ainsi, moi, par exemple. Non, je ne veux pas vous ennuyer avec ma vie privée. Oh, pas du tout, monsieur. Non, je vous vois si tourmenté ces derniers temps. Si vous confiez à moi peut vous faire du bien. Merci, mademoiselle. Eh bien, je vous assure que je ne suis absolument pas ce qu'on appelle un homme à femme. Oh, j'en suis certaine. Et pourtant, j'en suis venu à tromper la mienne. Parce que j'étais accablé de soupçons injustes et de scènes sans fondement, enfin, l'enfer. Alors, quand le hasard m'a fait rencontrer une autre femme qui me manifestait douceur et tendresse, je me suis réfugié vers elle.
Vous cherchiez auprès d'elle la chaleur du foyer que vous ne trouviez pas chez vous. Voilà, 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 voilà. Mais vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé auprès d'elle. D'autres soupçons et d'autres scènes. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, c'est l'enfer en double. Ah, on ne peut pas dire que je trompe ma femme pour mon plaisir. Mais comment avez-vous deviné ? Oh, la plupart des femmes sont incapables d'aimer sans jalousie. Ce qui prouve qu'elles n'aiment pas vraiment, car il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour. Vous avez tout à fait raison. C'est de la Rochefoucauld. Ah, c'est de oui. Et la jalousie est un manque d'estime pour la personne qu'on aime. Mais oui, mais en effet. Comme l'a dit l'écrivain russe Ivan Bounine. Ah, comme ah, oui. Oh, bah, c'est très bien dit. Oui. Mais pourquoi toutes les femmes ont-elles tant d'amour propre en elles et si peu d'estime pour nous ? Ah, pas toutes les femmes, monsieur. La plupart, mais pas toutes. Ah, en tout cas, je n'ai pas eu la chance de tomber sur les autres, moi. Peut-être parce que vous avez regardé trop loin de vous. Trop loin de moi ? Souvent, on ne voit pas ce qui est le plus près. Et qu'aurais-je pu voir ? Que certaines sont capables d'éprouver pour vous beaucoup d'estime, sans y mêler d'amour propre. Beaucoup d'estime ? Une estime très profonde. Mademoiselle Neville. Oui. Oui, je voudrais comprendre. Lorsque vous parlez de ce qui est près de moi, oui. Faites-vous allusion aux limites de ce bureau ? Oui. Et vous avez bien dit une estime très profonde ? Très profonde. Très vive. Oh, mademoiselle Neville. Et très tendre. Oh, oh, mademoiselle. Mais mon prénom est Irène. Oh. Irène. Jacques. Tu n'as pas bu ton jus d'orange, Martine ? Non. Tu veux encore une tartine ? Non. Un peu de café ? Non. Non. Plus de confiture ? Non. 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 Je suppose que tu ne rentres pas déjeuner ? Non. Ni dîner ? Non. C'est encore aimable à toi de me consacrer ton petit déjeuner ? Non, mais tu crois que c'est une vie pour moi, Jacques ? Tu crois que je vais pouvoir la supporter encore longtemps ? Mais Martine... J'en ai assez, tu entends ? Assez. Assez, je suis à bout. Non, écoute, Martine. Non, ben écoute toi-même. Non. Ça ne peut plus durer. Il faut en finir d'une façon ou d'une autre. Alors tu vas rompre avec cette fille et la flanquer à la porte. Mais ce sera elle ou moi. Et si tu ne veux pas rompre, alors... Tu divorceras. Mais, divorcer ? Oh non. Oh non ! Alors, tel que je te connais, odieux comme tu es, tu serais capable de prendre tous les torts à ta charge, de me verser une pension somptueuse et de continuer à me tromper, l'esprit en paix, le cœur léger. Ah, ça serait trop facile. Non, si je sors de ta vie, je veux que ça l'empoisonne. Et pour le restant de tes jours... Ça, je ne te comprends pas. Pendant un week-end où tu m'auras laissé ici toute seule une fois de trop, alors je monterai dans la chambre du sixième... Mais la chambre du sixième, je croyais que tu voulais la louer. Alors, tu viens même de mettre une annonce. Ben, personne ne m'oblige à la louer avant de me jeter par la fenêtre. Martine ! Elle est pratique pour ça, la chambre du sixième. Le balcon est très bas. Martine, je t'en prie. Et avec les six étages, je ne risque pas de me rater. Une bouillie dans la cour. Tu me retrouveras le dimanche soir en rentrant. Tu seras déjà éreintée par deux jours de travaux de secrétariat et quatre heures de bouchons sur l'autoroute. Ma vision d'horreur t'achèvera. Tu ne feras pas ça. Oh, je me gênerai. Et si tu ne romps pas, Jacques, tu auras ma mort sur la conscience. Le traumatisme à perpétuité. Oh,
Il est délicieux, ton steak, Nathalie. Tant mieux. Oh, tes frites aussi, d'ailleurs. J'en suis ravie. Tu sais, on dit qu'une bonne cuisinière se reconnaît à ses frites. Oui, ce que j'apprécie dans ta cuisine, c'est qu'elle est très, très légère. En ce cas, c'est dommage que tu ne viennes plus l'apprécier le soir. Je suppose que ce soir non plus, tu ne viendras pas dîner. Malheureusement. Un rendez-vous avec un client. Ah non, Jacques. Pas avec moi le coup du dîner d'affaires. Tu me prends vraiment pour une gourde. Mais Nathalie... Je sais parfaitement où tu vas dîner. Et avec qui? Tu vas dîner chez toi. Avec ta femme. Sauteur. Oh, Nathalie. Avec moi, tu manges des frites. Mais c'est avec elle que tu passes tes nuits. Mais je peux te jurer que je... Tu ne t'imagines pas que je vais supporter indéfiniment cette situation fausse? Mais non, bien sûr. Il va falloir te décider. Tu entends? Oui. Ce sera elle ou moi, tu comprends? Oui, oui, oui. Bon, alors, quand demandes-tu le divorce? Le divorce? Ah, non, ça, c'est pas possible. Comment pas possible? Pourquoi pas possible? Mais elle ne veut pas entendre parler de divorce. Oh. Toujours aussi possessive. Oui, à propos de divorce, elle m'a même menacée. Menacée? Et du pire. De te tuer? Non, de se tuer, elle. Oh bon, alors c'était pas grave. Hein? Au contraire. Mais c'était une idée en l'air ou elle parlait sérieusement? Non, c'était sérieux. On a une chambre de service au 6e qu'elle envisageait de louer, d'ailleurs. Elle a même déjà mis une annonce. Et maintenant, elle veut l'utiliser pour se jeter par la fenêtre. Le balcon est très bas, les étages sont très hauts. Ah oui, en effet, ça me paraît idéal. Eh bien, il va me le demander au trot, ce divorce. Mais enfin, Nathalie, voyons si Martine... De deux choses l'une. Ou elle bluffe et tu seras divorcée, ou elle parle sérieusement et tu seras veuf. Mais de toute façon, tu seras libre. Libre d'être tout à moi. Pas mauvaise, Irène, des croquettes de veau. Tant mieux, c'est du poisson surgelé. Ah, c'est... Oui. Alors, en tout cas, le potage en boîte était très très bon. J'adore la soupe au poulet. C'était de la bisque de homard. Maintenant, si tu n'apprécies pas ma cuisine, tu peux toujours aller dîner aussi chez ta maîtresse. Car je suppose que c'est chez elle que tu as déjeuné. Eh ben, c'est-à-dire... Et je parie que tu ne peux pas rentrer trop tard ce soir à cause de ta femme. Oui, en effet, oui, il vaudrait mieux. Et demain, tu dîneras avec l'une ou tu déjeuneras avec l'autre? Oh, Martine. Non, je veux dire Nathalie. Oh, pardon, Irène. Charmant. Excuse-moi, je suis un peu fatiguée, moi, ces temps-ci. Et moi, je suis à bout. Aucune femme au monde ne supporterait ce que je supporte. Trop, c'est trop. Tu crois que je vais pouvoir tenir encore longtemps comme ça? Il va falloir choisir, Jacques. Ce seront elle ou moi. Je ne suis pourtant pas exigeante. Tout ce que je te demande, c'est de rompre avec ta maîtresse et de divorcer d'avec ta femme. Mais c'est pas si simple. Mais tu n'y mets aucune bonne volonté. Mais pas ma femme. Elle a menacé de se tuer si je demandais le divorce. Oh, se tuer? Oui. Vraiment? À coup de revolver? De la chambre du 6e. Ah, je croyais qu'elle voulait profiter des beaux jours pour l'aménager et la louer, la chambre du 6e. C'est toi qui m'as fait taper l'annonce aux journaux. Et maintenant, elle veut profiter de ce que le balcon est bas pour sauter par la fenêtre. Le chantage au suicide, bravo, belle mentalité. Ah, si tu avais encore des scrupules envers elle, j'espère que ça te les ôtera. Oh, bah, tout de même, c'est délicat. Alors tu vas d'abord rompre avec l'autre, ça te fera la main. Et le plus tôt sera le mieux, tu m'as bien compris? Ce que j'avais cru comprendre, c'est... que tu étais au-dessus de la jalousie. Jalousie? Quelle jalousie? Je ne suis pas jalouse. Simplement, je n'admets pas le partage. Et je ne l'admettrai jamais. Tu entends? Jamais. Un lundi, en pleine matinée? Tu n'es pas au bureau? Nathalie, c'est affreux. C'est affreux. Mais que se passe-t-il? Martine. Avec quoi, Martine? Elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Coup du 6e. Le coup de... Oui. Oh, elle s'est jetée par...
Hier, dimanche, elle a profité de ce que je me trouvais à un congrès. Elle s'est sans doute imaginée je ne sais pas quoi. Parce que pour une fois, tu étais vraiment à un congrès? Mais oui, je t'avais montré la carte d'invitation. À elle aussi, d'ailleurs. Mais elle n'avait plus aucune confiance en moi. Oh, pauvre Martine. Elle est... Oh, 6 étages, tu penses? Je l'ai trouvée hier soir, en rentrant dans la cour, en rangeant la voiture. Personne ne s'était aperçu de rien. Les voisins étaient encore tous en week-end. Ah, pauvre. Ah, pauvre Martine. Comme elle a dû se sentir seule, en tombant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est horrible. Oui, bien sûr, c'est horrible. Oh, atroce. Oui, évidemment. Enfin, Jacques, avoir les choses en face. Oui. C'est encore ce qu'elle pouvait faire de mieux. De mieux? Comment de mieux? Elle a trouvé la paix. Se consumer de jalousie à longueur de journée, ça n'était pas une vie. Elle est sûrement plus heureuse maintenant. Quand je pense que ma pauvre Martine... Oh, écoute, n'exagère pas. Enfin. Tu te plaignais assez que ta pauvre Martine te gâchait l'existence avec ses soupçons et ses accusations. Oui, mais c'est moi qui me plaignais. Et c'est elle qui... Oh. Ça t'a un peu secoué. C'est bien naturel. Mais il faut toujours voir le côté positif des choses. C'est plus rapide et moins cher qu'un divorce. Oh, décidément, Nathalie, non. Tu es libre maintenant, Jacques. Tu vas pouvoir m'épouser. Nathalie. Oh, après un délai décent, bien sûr. Mais enfin, tu ne comprends donc pas. Quoi donc? Mais que justement, ça n'est plus possible. Comment plus possible? Mais les soupçons de Martine, ses accusations, je les prenais pour de simples crises de jalousie. La jalousie qui, en somme, est un manque d'estime pour la personne qu'on aime. Ah, je ne te le fais pas dire. Les scènes de Martine ne partaient pas d'un sentiment très élevé. Mais ces scènes, non, mais son suicide, oui. Il montre qu'elle souffrait en profondeur. Il est la plus grande preuve d'amour qu'elle pouvait me donner. Oh, tu m'amuses. Vraiment, tu m'amuses. Oh. Tu m'as dit toi-même qu'elle t'avait dit elle-même que si jamais elle se donnait la mort, ce serait uniquement pour t'empoisonner la vie. Une femme ne se jette pas du 6e étage uniquement pour embêter son mari. Pour embêter son mari, une femme se jetterait de n'importe quel étage. Tu auras beau dire, Martine s'est tuée à cause de moi. Pour moi. On ne bafoue pas le souvenir d'une femme qui s'est tuée pour vous. Enfin, essaie de comprendre. Je comprends que tu l'as trompée allègrement tant qu'elle vivait. Et que tu veux lui rester fidèle maintenant qu'elle a disparu. Quand elle vivait, je ne soupçonnais pas qu'elle m'aimait à ce point-là. Si j'avais su. Mais maintenant, je le sais. Alors... Mon pauvre Jacques. Je suis désolée, Nathalie. Mais nous deux, ce n'est plus possible. Pardonne-moi, je ne suis pas du genre une de perdue, 10 de retrouvée. Moi aussi, je suis désolée, Jacques. Je ne pouvais pas prévoir que tu en arriverais là. Tu m'obliges à t'enlever tes illusions. Des illusions? Martine ne t'a donné aucune preuve d'amour, Jacques. Elle ne s'est pas tuée pour toi. Pas pour moi? Alors pour qui, alors? Pour personne. Elle s'est jetée par la fenêtre comme ça, pour passer le temps. Elle ne s'est pas jetée par la fenêtre. Enfin, Nathalie... On l'a jetée. Qu'est-ce que tu dis? Eh oui. Mais comment peux-tu affirmer une chose pareille? Et qui aurait fait ça? Mais c'est de deviner, mon chéri. Qui savait que tu devais t'absenter toute la journée d'hier pour ce congrès et que ta femme serait seule? Qui savait qu'elle voulait louer la chambre du 6e et qu'elle avait déjà mis une annonce? Qui savait qu'elle t'avait menacé de se tuer en sautant par la fenêtre de cette chambre au balcon si bas et si pratique? Tu ne vois vraiment pas? Je ne vois pas, non. Je ne vois pas où tu veux en venir. Allons, fais un effort. Qui pouvait facilement se présenter à ta femme comme une personne intéressée par son annonce et désireuse de visiter la chambre? Qui, une fois là-haut, pouvait lui faire ouvrir la fenêtre sous prétexte d'admirer la jolie vue sur la cour? Et qui, une fois la fenêtre ouverte, pouvait profiter des facilités offertes par le petit balcon si bas,
pour que son Jacques chéri trouve une bonne surprise en rentrant. Nathalie. Nathalie, tu veux dire que c'est toi qui... Parfaitement. Je croyais te faire plaisir. Je t'en ai délivré, Jacques. La plus grande preuve d'amour, c'est moi qui te l'ai donnée, pas elle. Du sixième étage? Oui, Irène. Alors, tu es veuve? Oui. Oh, Jacques, mais c'est merveilleux, tu vas pouvoir m'épouser. Après avoir rompu avec Nathalie, bien sûr. Justement, à propos de Nathalie... Ben quoi, Nathalie? Car je lui ai appris la chute de Martine tout à l'heure, elle aussi m'a sauté au cou. Oh! Et en me disant que maintenant... Plus rien ne nous empêcherait de nous marier. Oh, celle-là, c'est pas la délicatesse qui l'étouffe. Je lui ai fait observer qu'après la preuve d'amour que Martine m'avait donnée en se suicidant pour moi, la pudeur la plus élémentaire me commandait de rompre. Très bien, et c'est vrai en plus. Elle ne pouvait rien répondre à ça. Oui, rien, bien sûr, sauf une chose. Que Martine, précisément, ne s'est pas suicidée. Pas suicidée? Et comment Nathalie pourrait-elle le savoir? La preuve d'amour, Irène... C'est elle qui me l'a donné en suicidant Martine pour pouvoir m'épouser. Quoi? Oui. Et du coup, tu n'as pas rompu, naturellement. Il est moralement impossible de rompre avec une femme qui vous a débarrassé de la vôtre. Et naturellement, c'est elle que tu vas épouser. Après tout le mal qu'elle s'est donné et les risques qu'elle a pris. Le mal, les risques, ouais. Je me doutais qu'elle ne manquait pas d'aplomb, ta Nathalie, mais le culot à ce degré-là, ça confine au génie. Elle n'a vraiment aucun scrupule. Et d'accord, elle a agi un peu vivement avec Martine, mais c'était pour mon bien. Non, mais pas question de Martine. Ah ben de quoi alors? Mon pauvre Jacques, mais tu es d'une naïveté. Tu lui annonces le suicide de ta femme et ton intention de rompre en hommage à ce geste d'amour. Elle te répond qu'en fait, c'est elle-même le bon petit génie qui l'a tué pour tes beaux yeux. Et toi, gros malin, tu la crois? Parce qu'à ton avis, ce n'est pas vrai? Ah, elle l'a trouvé tout de suite, la parade. Elle l'a saisie au bon, la balle. Question moralité, zéro, mais pour la présence d'esprit, chapeau. Et comment prétend-elle s'être retrouvée dans la chambre du sixième avec ta femme? Elle savait que Martine voulait louer la chambre et avait mis une annonce. Elle savait que j'assistais à un congrès et que Martine serait seule et elle s'est fait passer pour une aspirante locataire et... Comme d'autre part, elle était au courant pour les menaces de suicide et le petit balcon. Pas mal pour une improvisation. Vraiment pas mal. Et c'est même très vraisemblable. C'est peut-être vraisemblable, mais c'est complètement faux. Oh, complètement faux. Comment le sais-tu? Enfin, pas complètement, disons, aux trois quarts. Le plus drôle, c'est que sur un point, elle a dit vrai sans le savoir. Sur quel point? Ta femme ne s'est pas suicidée. Alors, bon... Mais si Nathalie n'y est pour rien... Une autre que Nathalie était au courant des menaces de suicide et du petit balcon. Une autre que Nathalie savait que tu assistais à un congrès et que ta femme serait seule. Irène, tu veux dire que c'est toi qui... Elle ne se décidait ni à divorcer ni à se suicider. Et je te sentais si désemparée. Il fallait bien faire quelque chose. Je n'aime pas me vanter de mes bonnes actions et j'aurais préféré que tu n'apprennes jamais celle-là. Mais je ne peux quand même pas laisser Nathalie s'en attribuer le mérite. Mais toi, Martine, te connaissais. Sous quel prétexte es-tu venue la trouver? Comment as-tu réussi à monter avec elle dans la chambre? Ah, bien sûr, c'était moins facile pour moi que pour Nathalie dans ses affabulations. Ça, je ne pouvais pas jouer aux aspirantes locataires, moi. J'ai dû attaquer de front, loyalement. Je suis allée trouver ta femme à visage découvert. Je lui ai dit que j'étais au courant, par toi, de son chantage au suicide, mais qu'il ne m'impressionnait pas, que je n'y croyais pas, que c'était un bluff idiot et une menace en l'air. Et que d'ailleurs, la preuve, il n'y a jamais de balcon très bas dans une chambre du sixième. Alors, elle n'a fait ni une ni deux. Elle a tenu à me montrer que ce balcon-là était vraiment très bas, qu'il était très facile de basculer par-dessus. Et le fait est qu'elle a basculé très facilement. Tu ne me crois pas?
Je ne sais pas. La situation évolue si rapidement, je ne sais plus. Non, mets-toi à ma place, enfin, j'hésite. Franchement, j'hésite. Oh, c'est un monde. Une mythomane hystérique comme Nathalie, monsieur l'a cru tout de suite. Mais avec moi, monsieur hésite. Eh bien, n'hésite pas trop longtemps, Jacques. La plus grande preuve d'amour, c'est moi qui te l'ai donnée. Et je te conseille de me croire. Non, bien sûr, maître, je ne pouvais pas la croire. Et bien sûr, je le lui ai dit. Je lui ai fait observer que son histoire était un tissu d'invraisemblance qui sentait l'invention et l'improvisation. Oh, je sais, maître. Je n'aurais pas dû être aussi brusque. D'habitude, j'ai plutôt tendance à me montrer délicat et patient avec les femmes. Mais ce jour-là, la mort de la mienne et les deux autres qui s'en accusaient successivement, alors à tout ça, m'avait un peu énervé. Bref, il était maladroit. Irène s'est vexée, nous avons eu des mots de plus en plus gros qui volaient de plus en plus bas, enfin une scène violente, rupture. Personnellement, j'étais plutôt soulagé, mais pas Irène. Elle ne s'est sentie soulagée qu'après avoir expédié une lettre à la police. Elle y révélait que la mort de Martine n'était pas un suicide et rapportait les aveux que Nathalie m'avait faits. Naturellement, la police a convoqué Nathalie, on l'a interrogée, on l'a cuisinée, et tant et si bien qu'on a dû finalement admettre qu'elle était innocente. Comme Irène l'avait deviné, elle ne s'était accusée que pour se donner des droits à ma reconnaissance. La police aurait pu s'en tenir là, mais vous la connaissez, maître, la police, n'est-ce pas? Une fois alertée, il faut qu'elle fouine. Elle a un peu fouiné du côté d'Irène, elle l'a mise hors de cause tout de suite, et puis elle a beaucoup fouiné de mon côté. C'est scandaleux, mais quand une femme se suicide, on soupçonne toujours le veuf, comme s'il n'avait pas assez de chagrin. Enfin, on a découvert que j'étais rentré très tôt du congrès, bien avant sa clôture. On a déniché des témoins par-ci, enfin des témoins par-là. On m'a interrogé, on m'a cuisiné. Tant et si bien que j'ai été obligé de reconnaître les faits. Ah, il vient un moment, maître, où, quand on est de bonne foi, on ne peut plus nier l'évidence. Que voulez-vous, une femme qui parle toujours de se suicider et ne le fait jamais, à la longue, ça lasse. Quand j'ai compris que décidément elle n'oserait pas, je l'ai aidée. Bon, c'était pas très difficile de monter avec elle dans la chambre du sixième sous prétexte d'y chercher des affaires personnelles, ni de lui faire ouvrir la fenêtre sous prétexte d'aérer. En me livrant à cette extrémité, maître, j'espérais bien que le sacrifice de ma pauvre Martine servira aussi à me libérer des deux autres, qu'elle comprendrait mes scrupules à entretenir une liaison après un tel drame, enfin qu'elle saurait s'effacer avec tact. Au lieu de quoi, elles se sont mises à mentir, à surtout accuser. Ah, j'étais complètement pris au dépourvu. Et vous connaissez la suite. Voilà, maître, voilà. Moi qui n'ai rien d'un homme à femme, qui ne rêvais que d'une vie tranquille, enfin de la douceur d'un foyer, voilà, voilà où j'en suis. Et Dieu sait si pourtant j'avais la fidélité dans le sang. Vous me croyez, n'est-ce pas, maître? Je vous crois. Vous ne méritiez pas ce qui vous est arrivé. Mais ayez confiance en moi. Je vous sortirai de là, vous verrez. Mais si je sors tôt ou tard, je les retrouverai à la sortie. Mais qui donc? Et Nathalie, Irène, même ici en prison, elle ne me laisse pas en paix. Elle m'accable de lettres, de colis, de visites. Elles m'attendront à la sortie, maître, je vous le dis. Et avec leurs crises et leurs scènes de jalousie. Je dois dire qu'en tant qu'avocate, je comprends beaucoup de choses, mais que la jalousie est un sentiment qui m'échappe. Elle implique une telle méfiance de celui que l'on prétend aimer. Oh, c'est vrai, maître. Et la peur d'être trompée, ce n'est finalement que la crainte d'être blessée dans son amour propre, pas dans son amour. Oh, c'est si vrai, maître. Oh, mais soyez tranquille. Le rôle de l'avocat ne se limite pas à la défense de son client. Oh. Il consiste aussi à l'aider à se réinsérer dans la vie. Quand vous sortirez d'ici, je ne vous abandonnerai pas. Je serai là, à vos côtés.
et je vous protégerai contre elle, je vous le jure. Oh, merci. Oh, merci, maître. Allons, je vous en prie. Ne soyez pas si protocolaire. Ne m'appelez pas maître. Mon prénom est Colette. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Une de perdue, un film radiophonique de Fred Cassac. Avec Bérangère Dautin, Christian Allers, Maria Tamar, Micheline Luciani et Martine Sarcet. Chef opérateur du son Joseph Rémiot, collaboration technique François Tandé, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.